הרצאה שלישית היא תהיה גם אונליין, היא תהיה גם בזום ובצרפתית. אני יכול להציג את זה? זאת הרצאה של מרקלוד נטף, שתהיה בצרפתית, והנושא שלה, קודם כל להגיד אותו בעברית, שחרור טוניסיה ופעולות הקהילה היהודית לביטול מוחלט של החקיקה האנטישמית של ממשלת וישי, והכותרת בצרפתית היא La libération de Tunisie et l'action de la communauté juive pour l'abrogation totale de la législation antisémite instituée dans la régence par le gouvernement de Vichy. זה נושא ההרצאה בצרפתית. אני אציג בקצרה את מר קלוד נטף. קודם כל אני מקווה, j'espère bien, monsieur נטף, que vous vous portez bien. J'ai entendu parler que vous êtes tombé là, récemment. J'espère que vous vous portez bien. Et je vous souhaite, Refoua Shelema, une complète guérison. Aniatzik Biktsara, je présente M. Nataf. Il est le président fondateur de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, délégué départemental de l'éducation nationale, vice-président de la Commission française des archives juives depuis 1994. Monsieur Nataf a organisé plusieurs colloques internationaux sur l'histoire des Juifs de Tunisie et plus généralement du Maghreb. Il a édité les deux journaux publiés par les dirigeants de la communauté pendant l'occupation, Robert Borgel et Paul Guèze. Il a également publié des témoignages de la période d'occupation et nombreux articles. Alors, Monsieur Nataf, Bevakasha. Bonjour. D'un co-religionnaire qui se trouvait à l'intérieur de la synagogue de la Griba de Djerba. Et je suis encore sous le choc de ce qu'il m'a décrit. Deux des nôtres, qui venaient de rendre grâce à Dieu, ont été assassinés délibérément par quelqu'un qui les a visés à la sortie de la synagogue. Alors que l'on ne nous parle pas de l'acte d'un déséquilibré, car un déséquilibré n'a pas des stocks d'armes chez lui et ne se rend pas à la synagogue avec un gilet pare-balles. Que l'on ne nous parle pas de balles perdues et que l'on ne nous parle pas, comme certains ont eu l'indécence de le faire, d'une bagarre entre policiers. C'est faux. Il est venu pour tuer. Cela aurait pu être un carnage s'il n'avait pas eu la présence d'esprit des policiers qui ont tiré sur lui et qui ont eu du mal à l'abattre, car précisément il avait un gilet pare-balles. Je m'incline devant ces victimes, comme l'ont fait d'autres intervenants. Et je commence ma communication. La situation des Juifs de Tunisie sous le gouvernement de Vichy et pendant les 6 mois de l'occupation du pays par les forces de l'Axe a été longtemps peu connue, voire ignorée. Depuis 1990, l'historiographie est relativement abondante et on y trouve des études sérieuses, tant d'ordre général que sur des aspects particuliers de la législation de Vichy ou des persécutions allemandes. A contrario, les conditions de l'abrogation des mesures discriminatoires et du retour des Juifs au statu quo ante législatif n'ont guère été étudiées jusqu'à présent. À partir de la chronologie et des modalités d'annulation des mesures discriminatoires édictées par le gouvernement de Vichy, nous tenterons de rechercher les intentions des diverses autorités responsables et leurs appréciations éventuellement divergentes sur le sort qu'il fallait réserver après la libération aux Juifs de Tunisie. C'est le vendredi 7 mai, en fin d'après-midi, qu'un premier détachement de troupes britanniques pénètre dans la ville de Tunis alors que l'on continue à se battre dans les faubourgs et notamment autour du Bardo. La cessation des combats et la libération effective de la ville
se situe dans la nuit du 7 au 8 mai. Le lendemain, samedi 8 mai, toute la population juive est dans les rues pour acclamer les libérateurs et les jeunes à peine libérés des camps de travail sont les plus enthousiastes. Le président de la communauté, Moïse Borgel, est porté en triomphe. Tous les juifs s'attendent à l'annonce de l'abrogation des lois raciales qui pèsent sur eux depuis le 30 novembre 1940. Ils sont d'autant plus enclins à y croire que le commandement militaire français a mobilisé par voie d'affiche tous les citoyens français nés entre 1910 et 1923, en précisant que cet ordre s'adresse à tous les Français sans discrimination de race ou de religion. Appelés sous le drapeau, les Juifs français ne peuvent pas penser qu'ils ne sont pas en même temps rétablis dans leurs droits de citoyens. D'ailleurs, le général Giraud, qui, par la grâce des Américains, est le seul commandement en chef civil et militaire en Afrique du Nord, a pris le 14 mai 1943 à Alger une ordonnance supprimant par son article 1er toute distinction fondée sur la qualité de juif, l'accès et l'exercice des professions, la fréquentation des établissements scolaires. La Tunisie libérée, se trouvant placée sous l'autorité du général Giraud, il ne fait donc pas de doute que son ordonnance d'Alger de mars 1943 s'applique. Aussi, le lundi 9 mai, le bâtonnier Elie Nataf, par ailleurs président honoraire de la communauté, qui avait été suspendu de ses fonctions de bâtonnier du barreau de Tunis en 1940 parce que juif, et suspendu dans l'exercice de sa profession d'avocat par le statut de juin 1941, se rend au palais de justice. Il revêt sa robe et prend possession du cabinet du bâtonnier. Puis il fait savoir à tous les magistrats qu'il reprend l'exercice de ses fonctions. Il convoque tous les avocats juifs et les invite à se trouver au palais en robe le mercredi 12 mai pour y reprendre l'exercice normal de leur profession. Pourtant, la veille, le général Join, résident général intérimaire, a déclaré au grand rabbin de Tunisie, Haïm Belaïch, que les lois raciales n'étaient pas abrogées et qu'il fallait attendre l'arrivée du résident général nommé, le général Mast, provisoirement empêché à la suite d'un accident d'avion. Le bâtonnier Nataf sait donc qu'il enfreint la volonté du résident général intérimaire, mais il s'appuie sur l'ordonnance du général Giraud du 12 mars 1943 pour considérer que les discriminations fondées sur la qualité de juif sont abrogées. Dans la matinée du 12 mai, le procureur général Juppé adresse au bâtonnier Nataf la lettre suivante. Mon attention a été appelée sur le désir des avocats juifs de reprendre leur place. On conçoit fort bien l'impatience que ceux-ci puissent avoir de revêtir leur toge et de reprendre l'exercice de la profession. Mais ils seraient dans l'erreur la plus complète en revêtant d'eux-mêmes la toge et en se présentant à la barre avant qu'un texte n'intervienne les rétablissant dans leurs droits, charges, devoirs et prérogatives. Ils voudront bien attendre que l'autorité supérieure réglemente une question qui sera d'autant plus facilement solutionnée qu'elle est connue et étudiée. Aucune manifestation d'un ordre quelconque et de quoi que ce soit ne pouvant être tolérée, il importe qu'aucun incident ne se produise dans les prétoires et que les intéressés fassent preuve de compréhension et conservent leur confiance à la justice française. Je compte sur votre intervention, monsieur le bâtonnier, pour que les intéressés saisissent bien la pensée de l'autorité supérieure et que la réintégration puisse se faire aussi dignement que le départ. Le bâtonnier, recevant cette lettre qui rappelle les oukases de la période de Vichy, souhaite, malgré la menace, maintenir la manifestation. Mais devant la timidité de certains avocats et le rappel qui lui est fait que la ville de Tunis se trouve toujours en état de siège et qu'il est lui-même menacé d'arrestation, décide d'annuler la manifestation. Mais il harcèle le général Join pour lui faire valoir que les lois raciales sont abrogées et qu'il doit le rappeler aux administrations de la Régence. Mais l'administration de Vichy est toujours en place
et le général Join se retranche derrière l'autorité du général Giraud et fait valoir que l'ordonnance de ce dernier de mars 1943 contient un article 2 qui donne prérogative aux autorités locales pour déterminer les conditions et délais dans lesquels il sera progressivement réintégré ceux qui ont été exclus en leur qualité de juifs. Ce qui s'oppose donc à l'application de plano à la Tunisie du principe de la fin des mesures discriminatoires. On remarque ici que l'ordonnance que le général Giraud avait prise en mars 1943 sous la pression des Américains et pour s'attirer des bonnes grâces de ces derniers était en fait une ordonnance restrictive. Elle proclamait le rétablissement des Juifs dans leurs droits mais laissait l'application aux autorités locales. Les responsables de la communauté juive décident alors de mener une action de pression auprès de l'administration pour obtenir l'application totale à la Tunisie du principe posé par l'ordonnance du général Giraud. D'un commun accord entre eux, et pour des raisons internes à la communauté, ces responsables désignent le bâtonnier Elie Nataf, qui a déjà commencé des démarches pour le barreau, à entreprendre des démarches globales pour toutes les dispositions du statut. En même temps, un avocat de Sfax, Mathieu Ganem, fait parvenir un mémoire au Congrès juif mondial par l'intermédiaire du consul des États-Unis à Tunis pour demander une intervention des autorités américaines auprès du général Giraud. Les démarches se font donc tous azimuts, appuyées par des mémoires qui sont quotidiennement remis à l'administration pour demander le retour à la légalité républicaine sur la base d'une analyse juridique de l'ordonnance du général Giraud du mois de mars 1943. Le général Catroux, envoyé en Afrique du Nord par le général de Gaulle pour préparer la fusion entre la France libre et l'Afrique du Nord du général Giraud, se trouve alors en Tunisie. À l'initiative d'un avocat, Jacques Semama, qui a été le condisciple du général Catroux alors que ce dernier était élève au lycée de Tunis, le bâtonnier Nataf rencontre le général Catroux, auquel il remet un mémoire. Le général Catroux promet d'intervenir auprès du général Giraud, mais il assure que le général de Gaulle sera bientôt à Alger et que la situation s'éclairera alors. Il rappelle en effet que dès son arrivée en Syrie en 1941, le général de Gaulle avait immédiatement abrogé les lois raciales de Vichy. Le général de Gaulle arrive à Alger le 30 mai 1943. Le 2 juin, il constitue avec Giraud le Comité français de libération nationale. Il exerce en fait le pouvoir face à un Giraud discrédité par sa fidélité au principe de Vichy et sa soumission aux États-Unis. Le 3 juin 1943, un décret ordonne la réintégration de tous les fonctionnaires juifs de Tunisie exclus en leur qualité de juifs. Le 10 juin 1943, les avocats et les médecins juifs sont réintégrés. Enfin, un décret du 5 août met fin à toutes les limitations édictées à l'encontre des juifs. Et le 10 août, un décret bellical est promulgué à la demande du résident général, abrogeant les décrets bellicaux de 1940 et 1941, mais dans les faits, depuis juin 1943, il n'y avait plus de discrimination professionnelle. C'est donc à partir de l'arrivée du général de Gaulle aux commandes que les mesures discriminatoires sont abolies en Tunisie et que les Juifs de la Régence rentrent dans le droit commun. Jusqu'à son décès en 1962, le bâtonnier Elie Nataf considérait que c'était le général Catroux qui était intervenu auprès du général de Gaulle et que l'abrogation des mesures discriminatoires était due à l'intervention du général Catroux. En 1990, dans le cadre d'un travail accompli à Sciences Po sur les Français de Tunisie, j'ai eu accès aux archives personnelles du général Catroux. J'y ai retrouvé le rapport du général Catroux au général de Gaulle sur la question de l'abrogation des lois raciales en Tunisie et rapportant très objectivement la demande qui lui avait été présentée au nom de la communauté juive de Tunisie. Tout en reconnaissant que cette demande était légitime et que l'abrogation demandée était une mesure de justice, le général Catroux s'inquiéter de ses conséquences possibles sur l'opinion musulmane. Après avoir souligné que la majorité de la population musulmane de Tunisie
par opposition à la France, avait manifesté une certaine sympathie à l'égard de l'Axe et avait été en tout cas très touché par la propagande antisémite de l'Allemagne nazie auprès d'elle, il se demandait s'il était opportun de prendre des dispositions rétablissant la population juive dans ses droits, alors qu'on cherchait à rétablir un lien de confiance entre les musulmans et la France, et que l'on procédait aussi à la mobilisation massive des musulmans dans l'armée. Dans le but d'éviter des facteurs de mécontentement, le général Catroux suggérait au général de Gaulle de reporter la mesure demandée jusqu'à la libération de la France, ou au moins de procéder par étapes. En marge de ce document, le général de Gaulle a écrit « Comment les lois raciales ne sont pas encore abrogées ?» Le général de Gaulle passa outre aux arguments d'opportunité du général Catroux, en marquant d'ailleurs son étonnement que la mesure n'ait pas été prise plus tôt, et rappelant au général Catroux que l'on n'avait pas attendu dès lors que la France libre avait pris possession de la Syrie et du Liban. Il est donc établi que dès la libération de Tunis, que seule une volonté politique pouvait amener à l'abrogation des raciales. Cette volonté politique n'a existé qu'à partir de la prise du pouvoir par le général de Gaulle le 1er juin 1943. La libération de la Tunisie ne s'est donc pas accompagnée de l'abrogation de la législation raciale de Vichy. Elle n'est pas dans les préoccupations du résident général intérimaire, le général Join, qui n'est là qu'à titre provisoire, qui ne veut pas prendre de responsabilité. Cette abrogation n'est étudiée et envisagée qu'à la suite des démarches pressantes de la communauté juive, qui s'appuie sur l'ordonnance du général Giraud du 14 mai 1943, et non pas sur une volonté de l'administration d'abroger immédiatement les mesures anti-juives. Les autorités locales s'appuie pour tergiverser et repousser les demandes de la communauté juive sur l'article 2 de l'ordonnance du général Giraud qui prévoit des adaptations locales. Il est donc facile au général Join de se défausser sur le résident général en titre qu'il n'est pas et de renvoyer cela à l'arrivée du général Mast. Le général Giraud a laissé en place en Tunisie l'administration de Vichy, qui n'a nullement l'intention de renier ce qui avait été mis en place 2 ans avant. Pour les fonctionnaires imprégnés de l'idéologie de Vichy, rétablir l'égalité législative à l'égard des Juifs marquerait le retour à la légalité républicaine dont ils ne veulent pas. Ils soutiennent donc, pour s'opposer aux demandes de la population juive, qu'abolir les lois raciales serait un précédent qu'il serait difficile de ne pas appliquer à la libération de la France. Ils prétendent ignorer si la population métropolitaine voudra le retour à la légalité républicaine qu'ils assimilent à la Troisième République déconsidérée par la défaite. De Gaulle a posé comme condition à son union avec Giraud que ce dernier rétablisse la légalité républicaine. Les fonctionnaires de Vichy en Tunisie estiment donc que rétablir la légalité républicaine en Tunisie en mai 1943 serait prendre parti pour De Gaulle. De ce dernier d'abolir les lois raciales ne répondent pas à l'ordre de mobilisation et rallient massivement les forces françaises libres de De Gaulle. Je renvoie pour cela à la thèse et aux travaux de Marianne Guez qui interviendra au cours du colloque. Les anciens vichistes invoquent l'incompréhension de l'armée régulière devant l'attitude des Juifs qui ne répondent pas à l'ordre de mobilisation et se rendent dans l'armée de De Gaulle. Et ils estiment que leur donner satisfaction en abrogeant les lois raciales apparaîtrait comme un encouragement à l'action des gaullistes et à une prise de position pour De Gaulle contre Giraud. Surtout, l'argument opposé à la revendication des Juifs et la volonté de ne pas mécontenter les musulmans. On retrouve dans les considérations des anciens vichistes demeurés en poste les arguments du général Catroux devant le général de Gaulle quelques semaines plus tard. Cette crainte de mécontenter les musulmans apparaît même sous la plume d'un haut fonctionnaire libéral chassé de l'administration par Vichy et réintégré à la libération, tel que Charles Somagne,
homme de gauche, qui, tout en reconnaissant la légitimité des demandes des Juifs, se croit néanmoins obligé de signaler les risques d'un mécontentement de la population musulmane. Paul Sebag faisait remarquer que si l'Algérie et le Maroc avaient dû attendre plusieurs mois après le débarquement allié pour voir abroger les lois antisémites, la libération de la Tunisie en mai 1943 ne tarda pas à être suivie de l'abrogation de toutes les mesures qui avaient été prises par Vichy à l'encontre des Juifs. En effet, la réintégration des fonctionnaires, des avocats, des médecins intervint un mois après la libération de Tunis. Mais ce délai plus court, par rapport à celui que subit les Juifs d'Algérie et du Maroc, ne doit pas occulter que pour les autorités en place à la libération, cette abrogation n'allait pas de soi, et qu'elle a dû être demandée avec force par les responsables de la communauté. Elle n'a été obtenue que lorsque cette mesure de justice, où on leur demandait de retrouver confiance dans la France et de participer à l'effort de guerre, a été mise en avant pour s'opposer à une abrogation immédiate des lois raciales. Il convient cependant de relever que nous n'avons trouvé aucune trace de cette opposition des musulmans dans les mémoires qui ont pu être remis aux autorités françaises par les nationalistes tunisiens ou par des notables proches de la cour bellicale. Les rapports de police de mai et juin 1943, s'ils soulignent l'antisémitisme des masses musulmanes ou leur mécontentement de voir les Juifs non astreints au service militaire, ne font nullement état d'une opposition de leur part à l'abrogation des lois raciales. Les Juifs ont été finalement l'objet d'un enjeu entre la volonté des autorités françaises d'asseoir leur légitimité et la crainte de déplaire aux musulmans. L'historien instruit à charge et à décharge, il appartient à chacun, en fonction des éléments communiqués par l'historien, de mesurer les éventuelles responsabilités. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Claude Nataf.